Alors c'est parti pour un petit let's play de Doom. Donc j'ai skippé le tuto, mais en gros on reprend au premier niveau. Voilà. Donc pour le moment on a que deux armes. On a le piou piou. Vous le voyez. Il tire comme ça et ça pue. Il tire comme ça et ça pue. Voilà. Je vais juste baisser un peu le son du jeu. Pour qu'on puisse entendre ma jolie voix cristalline et sibylline. On va mettre les sous-titres comme ça. Voilà. Alors, ça, hein, ça va. Ça, c'est une hérésie. Voilà. C'est clair, net et précis. Non. C'est une hérésie. Clavier et souris pour nous. Voilà. Cette petite parenthèse, je vous présente le jeu. Donc, nous incarnons le Doom Guy. Et réveillé de son sommeil millénaire, son armure presque fossilisée par des méchantes bestioles. Et le premier truc qui peut... Alors, si vous n'avez pas fait le jeu, le premier truc que vous voyez, c'est que c'est beau. C'est beau, et encore, le jeu n'est pas tout à fait à fond. Voilà, donc on peut sauter. On peut se ramasser. Si on saute de trop, on peut se faire mal. Pas comme dans Borderlands. Voilà, donc les trucs verts, hein, c'est l'armure, je vous fais pas un dessin. Si vous avez tous joué au moins une fois dans votre vie à un Doom, que ce soit les vieux ou le 3, enfin là on est vraiment plus proche des anciens Doom que du Doom 3. Alors que Doom 3 était plus sur le côté flippant, malsain, on est dans l'ombre, on est dans le noir, la lampe de poche, tout ça, machin, non, là c'est ta gueule. Voilà, et du coup on va gentiment aller vers notre première arène. Et vous allez voir pourquoi je dis que c'est du ta gueule. C'est de choper la main du premier coup. Yes. Et c'est parti. Donc, on a des jolis effets de sang, n'est-ce pas? Quand ils brillent, on leur fait un coup au corps à corps. Ça fait un genre de fatality qui permet de récupérer de la vie. Ici, si vous n'avez pas de vie et que vous êtes en cover, et ben vous n'avez pas de vie. Bon, là j'ai un petit mode vie d'arme. Je vous montrerai après, c'est bastos explosifs. Mais je suis vraiment au début du jeu. Hein. C'est juste que je me suis fait avoir le logiciel. La première vidéo de let's play que j'avais, c'est 10 gigas à peu près. Ça fait beaucoup. Après il clignote. Voilà, un petit coup de poing dans ta gueule. Et suivant comment on est positionné, il change. Donc c'est assez fun. Pour l'info, je joue en mode facile parce que je suis très mauvais au FPS, même si j'adore ça, hein, je n'empêche pas l'autre. Du coup, c'est vrai que voilà, hop là, on arrache les bras, un petit coup dans la tronche. On va essayer, voilà, écraser la tête. Parce que ce qui est marrant aussi, c'est que les mobs peuvent se faire mal un peu. C'est pour Tata Simone. Ça c'est pour te faire une ta grande gueule. Là il y en a foule, voilà, donc en gros, classique, point de passage atteint, ça veut dire que j'ai buté tous les méchants monstres de l'enfer. Un petit peu de bastos, ça fait pas de mal. Alors dans le jeu, à moins d'être vraiment mauvais, vous n'êtes jamais à court de bastos. Donc là, petit hologramme qui nous dit clé bleue uniquement. On reprend vraiment le système de base. Clé jaune, clé rouge, clé bleue. Là, on voit que la clé bleue, apparemment, elle est ici. On peut se baisser. On l'utilisera très peu, à part pour trouver les secrets. Donc, voilà. Hop là. La clé bleue prend monsieur, sur un monsieur qui n'en a plus besoin. Et vu l'état dans lequel il est... pas émettre à sa place, pas mal de sa belle mort, super. On peut sauter, on peut s'accrocher. Là normalement il y a un secret, j'ai déjà chopé, mais il y a un petit Doom Guy en figurine, on dirait les machins pop là, je sais jamais comment ça s'appelle. Des copies là qui est bleu. Et là on va se jeter dans une autre arène pleine de nos copains. Bah, en gros j'ai une petite amélioration sur mon fusil qui tire des grenades. Et il y a un cooldown.
Là, il y a beaucoup de choses qui vont au cooldown, notamment les deux grenades. Qui ont un petit cooldown, ce qui fait que ça permet de pas spammer, bah, encore une fois, comme dans certains bons jeux, hein, comme Borderlands. Une fois qu'on est lié avec une grenade, on peut les spammer, et c'est super fun. Pardon. Et là, du coup, les grenades vont agir comme ce que je vous montrais. Donc les grenades, elles sont en bas à droite, à côté de l'icône de mon shotgun. On tire la grenade. Moi, j'ai configuré ça sur contrôle. Et vous voyez, maintenant, il y a un cooldown. Sachant qu'après, si on améliore l'armure, on peut en avoir plusieurs. Mais pas non plus gavé, quoi. Je crois que c'est 2 ou 3 maximum. Après, il y a les grenades points de vie. Et l'hologramme à la Duke Nukem. Toujours sympa aussi. Là, il y a un téléchargement de cartes. Voilà. Donc là, j'ai une amélioration pour mon armure Praetor. C'est le nom de l'armure, hein, ça fait Praetorien, etc. Donc on va dans le menu, voilà. Donc amélioration d'armes, j'ai un point pour modifier la skill de mon shotgun. Alors, on peut aussi pour la skill du piou-piou, mais le piou-piou, comme je vous ai dit, vous l'avez vu. Moi je me retrouve à court de bastos, vous ne le verrez plus. Donc là j'échoue entre réduire le temps de chargement entre les tirs, augmente la taille d'explosion, supprime le temps de chargement d'un tir explosif. Quand j'ai les trois, il y aura la dernière en bas et ce sera un défi. Chargement d'un tir explosif. On va prendre ça, allez. Voilà. Et le prochain, du coup, coûtera 3 points au lieu d'un. Forcément. Et du coup, le point pour l'armure Praetor. Nana, jetons d'armure Praetor. Ouais, donc résistance à l'environnement, technologie, système d'équipement, efficacité, pouvoir dextérité. Là, il me faut 2 points pour réduire le cooldown. L'effet des pouvoirs n'est pas encore, affecte la vitesse, donc on va attendre d'avoir 2 points. Ça tombe bien, pour l'instant on n'en a pas. Alors. Les petites loupiottes vertes qui vous permettent de suivre le chemin quand vous êtes un peu paumé. Les niveaux sont pas non plus super labyrinthiques, quoi, à part les secrets comme je vous dis qui sont vraiment chauds. Voilà, les points d'armure Praetor, on les retrouve sur des mecs comme nous, mais rouges. Quoi, pourquoi nous on est vert, mais eux ils sont rouges, ils ont dû pomper la technologie. C'est si bon, voilà, là j'ai un point. Je peux augmenter ma résistance à l'environnement, mais je m'en tape. Moi, je veux augmenter mes grenades. Parce que dans ce jeu, il faut savoir que... Ah putain, je suis obligé, là. Table fermée. Voilà. Non, c'est bon. Donc, il faut savoir que dans ce jeu, la subtilité n'existe pas. Qu'est-ce que je disais? Voilà. Il y en a d'autres. Il est là, je l'ai pas vu. Mais donc voilà les glorifiles, là j'ai de la vie. Des fois ils peuvent lâcher un peu de bastos. C'est pas mal quand on commence à être raid. Dans de gros fights, on est bien raid. Et là, je vais vous montrer un petit secret donc qui est ici. Vous allez voir si vous reconnaissez un peu le design de la porte. Vous allez vous dire tiens mais oui en effet hop, faut activer ce secret, on tire le levier. Ouh, il faut y aller hein. Allez Kiki, vas-y, j'ai confiance en toi. Voilà. Oh, bonjour. Oh. Alors ceux-là, ils sont nombreux et rapides et suivants, ils peuvent faire assez mal. S'ils sont assez nombreux, quand on a plus de vie, qu'on s'est tapé un gros mob, là c'est pour le plaisir. Et voilà, ça c'est vraiment un bel hommage. Où sont mes chocolatines? Non, il est pas gentil, il n'a pas acheté de la sauce, donc on fait ça. Et ça n'a servi à rien. Voilà, si ce n'est que maintenant il y a une section bonus dans le jeu et du coup on aura débloqué une map Doom. Je vous la montrerai peut-être dans une autre vidéo si je vois que celle-là plaît. En tout cas, si je vois que ça plaît pas, ça sert à rien que je me casse le cul. Après, j'ai beaucoup de plaisir à jouer donc je me casserai pas le cul. Il n'y a pas assez de... Voilà, on peut s'accrocher. Là, on va arriver au dernier fight du niveau. Et après, je vais vous abandonner. Voilà, c'est ces drones qui permettent d'acheter
Les modules d'armes. En fait, il y a deux différents modules par arme. J'ai pris le module explosif, mais il en existe un autre pour le fusil à pompe. Chaque arme a ses modules, la mitrailleuse, ça permet de tirer des mini-missiles. Vous verrez ça dans un autre niveau. Ça fait mal. Et ça, je jambe pied dans la tête. C'est une technique de maître chinois de Mars. Parce qu'il y a des Chinois sur Mars. Bon. Il n'y a pas beaucoup dans le jeu parce qu'en fait, on est les seules personnes encore vivantes. Enfin, la seule personne encore vivante. Deux PNJ, mais de là dire que c'est des personnes. Hop là. Là, il n'y avait pas un secret. Par contre, là, il y a l'arme. Alors, faut faire très attention avec les sauts. Parce que dans le jeu, il n'y a pas de mur invisible. Même si la bouche est totale, ça. Dans le jeu, comme je vous disais, il n'y a pas de mur invisible. Jette un coup d'œil à la carte. Alors la carte est vraiment magnifique. Elle est très très bien faite. Il me manque encore un putain de secret. Elle est très très bien faite, comme je vous le disais. Et nous permet, voilà, en bleu c'est les endroits qu'on a visités, en gris c'est les endroits qu'on n'a pas visités. Sachant qu'on débloque une carte du niveau, chose que je viens de choper par terre, là il y a 2 secondes. Carte du niveau complète, sinon c'est, il y a... C'est pas... Bonjour. C'est pas un fog of war, mais... On n'est pas loin, ça, c'est parce que j'aime bien, je vais péter les trucs. J'ai déjà dit. Ah bon. Donc là voilà, on va s'avancer. La dernière. Là c'est vrai que ça peut paraître répétitif, arène, avancer, arène, avancer, arène, avancer. Mais bah, ma foi, en même temps, quand tu joues à Doom, tu joues. C'est pas l'histoire d'un Final Fantasy, quoi. Hein. Si tu joues à Doom, faut savoir à quoi ça va. Armure. Hop là. Oh. Ah, ça c'est des possédés. Alors ils tirent pas de boulettes. Et je crois que très vite on ne les voit plus en fait. Je crois que très vite le mode de base est remplacé par ce qu'ils ont appelé le diablotin en français. Ah oui. Voilà, le mode de base après c'est le diablotin. Gentil, tout mignon, et c'est des feux à la con. Ça, c'est le truc qui est juste au-dessus du diablotin, je sais plus comment ça s'appelle. C'est très laid. Et au niveau du bestiaire, on retrouve pratiquement le bestiaire, tout le bestiaire de Doom, que ce soit les têtes squelettes, les... Ah, c'est vrai, ça. Ah bah voilà, les bastos. Et les gros démons tout rouges, avec des cornes. Après cela, il y a la version grade avec les boucliers qui sont assez chiants. Les boucliers sont chiants, le mob en lui-même vaut rien, mais. Et ceux-là aussi, en fait, ils sont chiants. C'est qu'ils ont une mobilité de corps. D'accord, c'est un peu pour essayer. Et du coup, des fois, vous êtes en train de viser, et puis voilà, il fait un petit strap au dernier moment. C'est nécessaire. J'aime quand ça passe. Bah donc vous voyez le cooldown. J'ai pas pris d'amélioration pour le cooldown. Il était gentil là pour le bastos. Ta main et prend la mienne pour le coup. Point de passage atteint. Donc les secrets, j'en ai toujours 2 sur 3, il y en a, j'arrive pas à trouver. Ah, c'est bon. Je crois que je sais où il est. Bah non.
que cet endroit, il n'y a que ces endroits-là que j'ai pas exploré, mais bon. Le but c'est pas de vous montrer tous les secrets, de vous spoiler tout le jeu. Hein. Je vais vraiment vous montrer le secret du level Doom à l'ancienne parce qu'il est sympa. Donc là on va arriver dans une salle, je crois qu'il y en a même deux à douter. Pas. Là, vous allez voir mon PNJ préféré. Bienvenue dans l'USR. Nous comptons à présent 221 jours sans incident. Ouais, le 222e, il a été sympa. Hein. Alors, il va en dire une autre. Dieu s'est reposé le 7e jour. Mais imaginez où nous en serions s'il avait poursuivi son œuvre. L'UAC aspire à l'excellence. Voilà pourquoi nous avons instauré la semaine de 7 jours. Vous allez accomplir de grandes choses avec vos coéquipiers. Ne nous arrêtons jamais. Voilà, donc en gros, on se prend pour Dieu et puis bah, la semaine de 7 jours, bien sûr. Hein. C'est comme une journée 36 heures. Quoi. Voilà. Bah écoutez, je vais vous quitter là. À plus.